Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Parmi les moments forts qui marquent notre fête nationale, les distinctions remises aux bénévoles de la Principauté permettent d'honorer celles et ceux qui, sans compter leur temps et leur énergie, œuvrent souvent dans l'ombre avec humanité pour le bien d'autrui. Ainsi, la médaille de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque, créée en 1950, la médaille du mérite national du sang, créée en 1993, et la médaille d'honneur, instituée en 1894, vont saluer cet engagement. J'ai tenu depuis 2007 à étendre le bénéfice de cette dernière aux bénévoles qui agissent pour l'intérêt général, sans être des serviteurs civils ou militaires de l'État. Le bénévolat fait partie de longue date de la vie de la Principauté et son utilité publique se devait d'être reconnue. Les événements sportifs emblématiques de cette année 2024, tels que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ou le Tour de France et son étape finale entre Monaco et Nice, ont mis en lumière, si besoin en était, que l'investissement sans faille des bénévoles était indispensable à leur tenue et surtout à leur réussite. Les bénévoles n'attendent rien en échange de leur générosité et de leur implication dans de nombreux domaines, au sein de leur association, fondation ou toute autre institution, souvent tout au long de leur vie. Leur action ne s'apprécie pas en termes de profit ou de reconnaissance, mais par son impact sur les personnes auxquelles elles apportent leur aide. Animés par une motivation commune, l'humanisme, ils contribuent à cette précieuse harmonie qui fait de notre pays un havre de paix. Des événements particulièrement graves qui agitent le monde et plongent une partie de l'humanité dans une grande souffrance rappellent toujours davantage l'importance de faire du bien autour de soi. C'est pourquoi il m'est très agréable de vous distinguer en espérant attirer ainsi un peu plus de lumière sur vos actions et faire naître, grâce à votre exemple, de nouvelles et nombreuses vocations. Vous tous, je tiens à exprimer ma sincère gratitude ainsi que mes très chaleureuses félicitations. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, la médaille d'honneur en bronze est accordée à Monsieur Yves-Jean Barthes, bénévole à l'association Monaco Liver Disorder. Monsieur Mario Beltramini, bénévole à l'association Monaco Nature Encyclopedia. Monsieur Vincent Brigol, trésorier adjoint de l'Amicale des aînés monégasques. Madame Danielle Brudou, bénévole à l'œuvre de Sœur Marie. Monsieur Jean-Charles Gasteau, dirigeant bénévole au comité d'organisation du Challenge Prince Rainier III. Monsieur Xavier L'Enfant, directeur de communication bénévole à l'association Monaco Liver Disorder. Madame Véronica Maraco Albéniz, bénévole à Mission Enfance. Monsieur Michel Olivi, trésorier de l'association Monaco Nature Encyclopédia. Madame Raffaella Olivieri, présidente de l'association des parents d'élèves de Monaco. Brigadier Rodolphe Perruchon, dirigeant bénévole au comité d'organisation du Challenge Prince Rainier III. Monsieur Thierry Petit, dirigeant bénévole au comité d'organisation du Challenge Prince Rainier III. Madame Delphine Rottier, bénévole à l'œuvre de Sœur Marie. Monsieur Alain Sartucci, conseiller à l'Association des cartophiles de Monaco. Madame Josie Suffiotti, bénévole à l'œuvre de Sœur Marie. Madame Josiane Taddei, présidente d'honneur et bénévole à l'association Jusqu'au bout, accompagner la vie. Madame Claudine Crouet, bénévole à l'association de Fil en aiguille. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, le mérite national du sang est accordé à médaille en vermeil, Monsieur Jean-Hubert Taoshi.
Médaille en argent, Monsieur Denis Deluzier. Adjudant, Nicolas Maradi. Carabinier, Philippe Meunier. Monsieur Alain Ortolani. Monsieur Emmanuel Pintus. Médaille en bronze, Monsieur Yves Baldoni. Madame Elisabeth Bannereau. Carabinier de première classe, Xavier Beau. Monsieur Philippe Boisbouvier. Monsieur Albert Bounic. Monsieur François Brizelbou. Monsieur Frédéric Surkowski. Madame Jessica Corso. Monsieur Michel Delfos. Madame Agathe Julien. Monsieur Hervé Lecomte. Madame Nadine Loulin. Monsieur Richard Micou. Monsieur Jérémy Morteau. Monsieur Fabrice Moraccioli. Carabinier Alexis Navarro. Monsieur Bruno Noireau. Carabinier Vincent Perron. Sapeur-pompier de première classe, Alain Regnault. Monsieur Jean-Christophe Romanet. Monsieur Damien Roméo. Madame Isabelle Rouanet. Madame Benoît Rousseau de Sévelinges. Monsieur Michel Schwartz. Caporal Julien Trapp. Monsieur Jordan Verdez. Et Monsieur Alain Yazdini. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, les médailles de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque sont attribuées. Médaille en vermeil, Madame Greta Alessio, bénévole à la résidence du Cap Fleury. Monsieur Paolo Camareri, président de la protection civile de Dolce Aqua. Madame Sophie Cravi, bénévole à la section secourisme.
Madame Marie-Pierre Pory, bénévole à la section santé-prévention. Madame Madeleine Boutros, bénévole à la résidence du Cap-Fleury. Madame Cécile Castellani, bénévole à la résidence Aquietudine. Maréchal des logis David Clément, secouriste militaire. Madame Marlène Clément, bénévole à la résidence Aquietudine. Madame Corinne Claire, ancien cadre responsable opérationnel. Monsieur Benoît Dehaller, président de l'Association des Samaritains de Genève. Maréchal des logis Michael Denez, secouriste militaire. Brigadier Olivier Duguet, secouriste militaire. Brigadier Benoît Durieux, secouriste militaire. Madame Estelle Falson, bénévole à la section secourisme. Madame Yveline Garnier, bénévole à la résidence Giome. Sergent-chef Étienne Girardin, secouriste militaire. Madame Editha Hill, bénévole à la résidence du Cap-Fleury. Madame Jana Jablan, bénévole à la résidence Giome. Lieutenant Patrice Jacob, secouriste militaire. Madame Nicole Larini, bénévole à la section humanitaire internationale. Monsieur Robert Larini, bénévole à la section humanitaire internationale. Madame Stéphanie Morel, bénévole à la section santé-prévention. Maréchal des logis Franck Orgeret, secouriste militaire. Madame Yordanos Pasquier, membre du conseil d'administration et responsable de la section humanitaire internationale. Monsieur Stéphane Penny, secouriste à la Croix-Rouge française et chef d'intervention du secourisme au comité de Montauban. Madame Annick Santero, responsable du service de la Croix-Rouge à la résidence Aquietudine. Maréchal des logis Frédéric Stoppa, secouriste militaire. Monsieur Yann Surel, bénévole à la section secourisme. Madame Brigitte Verdier, bénévole au service social. Médaille en bronze. Monsieur Sorin Félix Alexandrou, bénévole à la section secourisme. Carabinier Jordan Alfort, secouriste militaire. Madame Anna Allard, bénévole au service social. Madame Sandra Altès, bénévole à la Croix-Rouge allemande. Madame Françoise Alvaro, bénévole à la section santé-prévention. Caporal-chef Manuel Amoros, secouriste militaire. Carabinier Julien Benetton, secouriste militaire. Madame Sylvana Bernou, ancien directeur financier.
Madame Sophie Caserio, bénévole à la résidence Aquietudine. Adjudant Olivier Cassini-Pellux, secouriste militaire. Madame Patricia Chébil, bénévole à la section humanitaire internationale. Monsieur Tarak Chébil, bénévole à la section humanitaire internationale. Carabinier Michael Ducruet, secouriste militaire. Carabinier Donovan Ferré, secouriste militaire. Caporal Romain Galou, secouriste militaire. Monsieur Guillaume Jourda, bénévole à la section secourisme de la Croix-Rouge française. Madame Marie Juan, ancienne directrice du service social. Madame Stéphanie Lung, bénévole à la section humanitaire internationale. Carabinier Vincent Perron, secouriste militaire. Carabinier Michael Rascalon, secouriste militaire. Monsieur Nicolas Richard, secouriste bénévole à la Croix-Rouge française. Carabinier Jesse Rigaud, secouriste militaire. Carabinier Jean-François Séan, secouriste militaire. Carabinier Florent Sicard, secouriste militaire. Madame Aline Spezia, bénévole à la section humanitaire internationale. Madame Christiane Vanti, bénévole à la résidence du Cap-Fleury.